Bonjour et bienvenue dans LE Hard Corner. C'est pas le Hard Corner. La chaîne, c'est votre show. J'ai moins d'abonnés. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Dragon Ball Xenoverse sur PS3. Alors on va commencer à jouer avec Sangoku et Vegeta. Parce qu'en fait, j'ai pas le jeu et c'est pas à moi Squeezie. Squeezie il est tout seul et nous on est deux. Du coup c'est pas nous. Oui mais Squeezie des fois il fait des vidéos à deux. Alors bonjour, aujourd'hui sur le stream... Dans tous les cas on stream pas puisqu'on peut pas être en direct puisque je le fais pas et que j'ai pas assez d'abonnés pour faire du direct. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mangavi. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball. Exactement. Ouais, bien. Par contre, en fait, c'est ma chaîne. Du coup, ce serait bien que ce soit moi qui puisse l'annoncer. Ok, c'est bon, vas-y. Donc, salut à tous, c'est Mangavi. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Andrea, on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Donc juste avant, je vais vous faire une petite présentation d'Andrea, puisque vous le connaissez pas, il est nouveau sur ma chaîne, puisque c'est la première fois qu'il est là. Donc voilà, c'est Andrea. Bonne présentation. Salut. C'est bon, c'est fini. Arrête. Donc voilà, Dragon Ball, c'est le manga avec lequel beaucoup d'entre vous, à mon avis, ont grandi et par lequel beaucoup de personnes ont commencé, dont pas moi. Ça, on a bien remarqué que tu n'avais pas commencé par ça. Toi, c'était Naruto, si je ne m'abuse. Ouais. Mais non, en fait, j'avais commencé un peu Dragon Ball GT quand j'étais petit avec mon frère. Non, mais Dragon Ball GT, c'est pas Dragon Ball, hein. On va s'arrêter tout de suite. Hein. On va vraiment parler Dragon Ball, s'il te plaît. Ok. Alors donc, le héros s'appelle Sangoku. Et donc il a une queue de singe. Donc Sangoku c'est tiré d'un roman La légende de Sangoku. La légende de Sangoku. Donc c'était Sangoku signifie le roi singe, si je ne m'abuse. C'est exactement ça, je suis bien renseigné, hein. Alors par exemple, ce que j'aime bien dans Dragon Ball, c'est qu'à la page 154 Mais si, regarde là. Ah, là par exemple, on voit une petite Bulma, si je ne m'amuse. Si tu ne t'amuses. Non, mais alors, on va essayer de parler de Dragon Ball vraiment, parce que là, ça commence à bien faire. Hein. T'es pas sur du Naruto, on est sur une chose un peu plus sérieuse. Ah, c'est bon, sérieux. Alors, je vais te présenter les personnages. Ici, on a. Naruto. Sangoku. Oh. Mais tu m'as dit qu'on parlait. Sangoku. Tu m'as dit Naruto. Sangoku. Sangoku. Merci. Ici, on a. Vegeta. C'est bien. Ici, on a... Piccolo, Satan Petit Cœur. Oui. Et ici, on a... Bulma, la bonne as. Et ben voilà, au moins on sait qui connaît un peu ces personnages. Ah, il y a des pages couleurs. Oh. L'avantage qu'on a avec cette perfecte édition, c'est qu'il y a des pages couleurs. Attention, Kamehameha. Attention, je vais me transformer en Super Saiyan. Vite, la baston. Donc c'est les pages, comme je le disais, les pages couleurs qui sont... Non mais, tu voulais qu'on fasse un truc sérieux? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai ramené les figurines. Tu les as juste sorties de là. On fait du top motion. On peut pas, elles sont pas articulées. On va juste faire ça. On les voit même pas à la caméra. Là on les a vus. Il a pas d'arc, il a un bâton. Hein. N'importe quoi celui-là. La première partie, c'est quand il est petit. C'est un Jedi. Quand t'es petit, t'es un Jedi. Donc, comme tu le souhaitais, on va parler de Dragon Ball. Bah ben ouais, c'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. Pourquoi tu joues avec les figurines alors? Ben parce que c'est Dragon Ball, c'est cool. Elles sont même pas articulées. On les voit même pas en entier, c'est juste des petits bustes. C'est ça qui est classe. C'est plus la merde. En plus, sa vie, c'est marqué Dragon Ball Z. On s'en fout. Ouais. Là c'est Dragon Ball, là c'est Dragon Ball et là c'est Dragon Ball Z. J'ai pas compris pourquoi. Bref. Et ta soeur, je peux pas faire une vidéo duo tout seul. Mia Super Sonic, viens à moi. Je suis arrivé grâce au Mia Super Sonic. T'étais juste debout, à côté de moi, tu as fait semblant derrière. C'est même pas un vrai, regarde, si je le mets ça marche pas. Bah, tu vois que c'est bien Dragon Ball. Tu veux te cosplayer? Alors, Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? Essaye du coup d'un peu développer Dragon Ball sur le sujet principal, un peu de ce qui se passe du coup dans les premiers tomes en tout cas, vas-y. Dragon Ball, manga écrit par Akira Toriyama,
Je refais l'historique complet ou... Si tu veux. D'accord. Alors, Dragon Ball, manga écrit par Akira Toriyama en l'année bissextile 1984, publié dans la Shueisha. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon... D'après mes données, ouais, parce que ça sert à donner les données, c'est ça? Ça calcule la puissance. Bah, d'après le calcul de puissance, la tienne est très basse. Est-ce que tu dis c'est pas intéressant? Va droit au sujet principal, s'il te plaît. Alors, c'est Sangoku, il parce fait que là, Kamehameha, tu vois, en fait, il tue tout le monde. Il tue pas tout le monde parce qu'il meurt aussi. Du oui, coup, mais il ressuscite et il tue tout le monde. Donc en fait, c'est genre comme Bleach, les gens ils ressuscitent tout le temps et c'est chiant. Non, il y a que Sangoku et Krillin qui ressuscitent tout le temps. Parce que Krillin, c'est celui qui meurt le plus souvent. Et est-ce que tu sais qui c'est qui est Krillin? Oui, voilà. Il est petit, il a des cheveux après. Oui, et qu'est-ce qu'il a sur le front? Des points. Ouais, c'est bien. On va pas aller loin. C'est un petit garçon. Ouais, mais après, qui vit chez son grand-père et dans la forêt. C'est pas vraiment son grand-père, hein, d'après ce que j'ai vu au début, on sait pas vraiment qui c'est. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon. Je connais mieux Dragon Ball que lui, hein. Visiblement. Qui vit avec son grand-père, Son Gohan, dans la forêt. Son Gohan, c'est pas son grand-père. Vraiment en plus. Oui. Ah merde. C'est pour ça que son premier fils il l'appelle Son Gohan. Du coup j'ai l'air con là. Oui. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon, Son Goku. Mais t'avais dit dans... Son Gohan juste avant. Son petit c'est garçon. Le grand-père de Son Gohan, le garçon de Son Goku, c'est Son Gohan, mais le grand-père de Son Goku, c'est Son Gohan. Après, le deuxième fils de Son Goku, c'est Son Goten. Son Gohan, il va évoluer, il va se marier avec Videl. Ouais, Son Goten, il va se développer avec Trunks. Trunks est le fils de Bulma et Vegeta. D'ailleurs, dans les premières arcs, Vegeta, on ne le voit pas. Alors, au tout début, on voit Son Goku bébé, pas bébé du tout, on voit Son Goku enfant qui évolue dans la forêt avec son grand-père, Son Gohan. Un jour, il va tomber sur Bulma, il va essayer de découvrir ce que c'est qu'une fille, il va regarder sa culotte, il va toucher sa culotte, il va faire plein de trucs dégueulasses. Il va tomber sur Yamcha aussi, il va tomber sur Tenshin Han, il va tomber sur plein de monde et puis il va devoir... Regarde les premières images du manga français Green Mécanique. Ouais, moi, mais tu sais que les mangas français, on aime bien faire des revues dessus. Du coup, c'est pour te dire que là, il y en a. Enfin, il y a les images. C'est bien. Tu sais pas. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon. Tu vas reprendre le début. Ça fait trois fois au moins que tu fais le début. La faute à qui? Alors, comme on le voit au début, pop-up, Sangoku, petit dans la forêt, Bulma, machin, mes couilles. Mais c'est pas intéressant, du coup, si tu le fais couilles. Comme ça. Couilles. Comme quoi ça va. J'ai oublié la case. Tu vois des couilles et ça te fait rire. Bah oui. Mais il pêche avec sa queue. Moi aussi. Allez, n'empêche que c'est ton boulot de présenter les mangas. C'est vrai, en effet, mais comme je l'ai pas lu, voilà. Enfin, si, je les ai lus, mais. Ça m'intéresse pas. Alors, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. C'est toujours pas nous. C'est toujours pas nous. Non, non, on va parler sérieusement, parce que je sais que ça doit commencer à vous faire chier, du coup, de regarder cette vidéo. Du coup, je vous propose qu'Andrea continue. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans Dragon Ball? Les génériques de fin. Parce que je voyais l'épisode fini, j'étais content. Parce que du manga, pas de l'animé. Ah. Ah, un manga vie. Ah, tu veux que je donne mon avis vraiment sérieux constructif là-dessus? Okay. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'aime pas dans Dragon Ball... Et si on se faisait une petite partie sur la Play 3? Ah ouais. Allez, c'est parti. Donc on va arrêter la vidéo.